Un nouveau maître. Malheureusement. Ah Si oui. tu peux sauvegarder aussi, pour marquer le coup. Je Le roi ouais. Aegon VI est mort. Oui, c'est Il bon. est grand temps désormais que Daemon Targaryen, first of his name, king of the Andals, of the Rhynars, of the First Men, protector of the realm, takes the crown. The king is dead. Long live the king. Long live Paf. the king. C'est moi, bonjour. Ah, oh, mon ami Aegon VI est décédé. Oh, bébou. J'ai plein d'artefacts, c'est super. Ah, mais putain, faut que tu rééquipes tout. Visiblement, tout est équipé par un je ne sais quel miracle. Putain, le mec, il est marié avec une gamine de 10 piges, quoi. Putain. Et Non, mais qui on est? bon, vous comprenez pas. Vous. Wait! C'est Lady Saraya! Il n'a malheureusement pas pu avoir Lady Becky, qui est fiancée à Dylan. J'avais vu une belle couronne. Où est-elle? Ah non. Ah bah en fait, je peux tout garder. Oh, l'armure, elle est presque pétée. Réparez-la vite. Ok, ça s'en fiche. Ça en garde, et normalement. Prestige, prestige. Je le prie. Ah, mais non, en fait, c'est. Attends, mais je crois que je suis encore plus vieux que le roi. Ah ouais, je suis un peu plus vieux que le roi. Bon. King Daemon. Putain, le feu grégeois, il s'appelle. Au secours. C'est qui son principal héritier? C'est Astarion. Ah merde. Astarion ou Bastarion? Non, Astarion. Pas Ok. Bastarion. Ah ma cour! Oh non! Astarion, alors qui est colérique, mais compatissant, chaste. Oh mon dieu. Ah, il est chaste, hein, l'enfer. Oh non. Serait dommage que. Juste. Il est chaste. Juste. Ah, mais du coup, je suis plus Ils sont un doublement seul. chastes. Oh la bête. Oh merde, ils sont doublement Oh chastes. ça, ça Oh. va. Oh ça, ça va. Ouais, alors ça, je suis Va très heureux que falloir ça soit qu'il dé... terminé. Va falloir que tu désignes un héritier toi-même, je crois. Douzeris. Ouais. Va falloir que tu désignes toi-même un héritier, je pense. Non, ça va bien se passer au pire. Le Par contre, la main cours. du roi est restée. La main du roi est restée, qui est un mec qui est totalement fou, en plus. Bah en Ah, fait, c'est plus moi le il maître était des. intendant. J'ai juste mis Manu Roy à la Ah, oui, place. mais. J'allais dire, c'est plus moi le diplôme maître des lois, mais putain, il a 32 maître. Ah oui, mais moi, de toute façon, il est en guerrier, pas trop, donc. La 39 chance. Bah le nord, bien évidemment. Je suis trop tard. Et il récupère son poste. Ouais. Trop beau Ah, frère. c'est enfin un truc où je suis pas trop mauvais, tu vois. Non, mais Donc, c'est bien. beau Moi, je crois que c'est frère. une des rares où je suis pas au conseil restreint, sachant. C'est bien. Tac, renégocier des alliances, juste faire ça. Et c'est parti mon kiki. La tradition de père dragon, ouf chiotte. Faction formée contre le roi des mains. Ah, déjà? Ah. Waouh, hyper bon. Hein. Faut pas laisser le temps de mouffeter. La cour royale. Oh. Cour royale.
J'ai un châtelain, le mec. Il est de la maison Karstark. Il a 31 en diplomatie. Waouh. Après, alors, de souvenir, Ariane, elle avait 50 ans en diplomatie. C'était abusé. Chancelier. Ouais, il a 20 ans en diplomatie, mon perso, hein, ce qui est quand même balèze, parce que c'est pas du tout son arbre de compétence. Ah, j'ai encore moins de chance de l'emprisonner, de prendre ses titres à lui. Oh, ouais. Mon oncle est maître espion. Putain, je vois pas. Lui, c'est un giga chat. Oh non, j'ai loupé la chance du coup. Oh non. Oh. Ah, t'as raté un truc. Oh, le mec démassé va. Ah. Je peux plus maintenant. Oh, quel dommage, je vais devoir l'assassiner à l'ancienne. Ah, le. Ouais. Déjà pour... Oui, il y a du monde, dis donc. Tu n'es pas content. Ouais, mais j'ai le même truc, moi. Et je crois que ça bug. Le bief. Non, 0%. Le bief. Blague. Il fait y a péri de merde. Qui c'est qui est mort? En attendant. Oh, putain. Il était bon en plus, a priori. Hébergé par le stress. Ah, bah. C'est pas bien. Réputation familiale. Hein. L'autre. Ouais, oui. T'as pas reçu une notification, Dio? Peut-être. Non. Parce que regarde dans les complots. Oui, j'ai vu que. Le maître des chuchoteurs découvre un secret. Non, ah oui, c'est. Oui, c'est vrai que ça. Il y a quelqu'un dans les complots, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un complot, qui fait un complot contre toi. Non, c'est ça, c'est celui-là. Bon, tout va bien. Ah, Prince Alberich, bienvenue et merci. Je suis venu rendre mes hommages. Parlons d'hommage. J'ai accepté. Il est temps d'organiser des funérailles. Oh non. Des funérailles à Père Dragon, vous tirez pour la peine. Ah, si je peux. Entre père et oncle. Il y a peut-être un univers dans lequel je meurs très prochainement. Ah bah tiens. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a fait, j'hésite parce que j'ai 71% de chance de tuer le sauvageon. Oh, c'est un combat, d'accord. Mais 29% je meurs. C'est un peu élevé quand même. 29% c'est 0%. Ouais. De Iverbrook qui a Renfold. Sinon, je perds 75% de couronne. Enfin, 75 de couronne. On va perdre 75 couronnes, ça coûte moins cher. Oh. Ouais, non, j'ai pas fini de bâtir tout ce que je devais bâtir. Hein. C'est plus que c'était. En plus, ta part du fait que mon personnage se badait dans la forêt parce qu'il s'ennuyait. Le truc, il se bat dans la forêt, s'il s'ennuie, il voit un camp de bandits, il décide de l'attaquer, il s'est pris pour le héros du jeu. Non. L'activité, on va se joindre au funérailles du roi quand même. C'est la moindre des choses. Ouais, hein. La moindre des choses, ouais. Je l'ai pas. Moi aussi. Ah, mais. Non, je te jure, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Je mets le jeu en pause, attendez. j'ai pas accès sur le. Nom de Dieu. Parce que je pense qu'il n'est pas invité. Je rentre d'un trajet en plus, je pense que c'est pour ça. Eh bien, c'est noté. Le mec est venu rendre hommage au nouveau roi, puis il s'est insulté parce qu'il savait pas qu'il avait fait les funérailles. Vous êtes pas venu. C'est dur. Ouais, mais je rentrais. Ouais, vous êtes pas venu. Ouais, c'est venus. Ça. Petite merde. Ok, un meurtre de plus sur votre dos. Quoi? L'autre, il est mort, je sais pas trop où, dans les terres, là.
Palavas bronze les flots là. Ouais, donc Dorne, là, vous avez tué le roi. Encore. Non. Encore, putain. Ok. Je suis le lord et je veux une part de ce ragoût. Non, je crois oui, pas. Non. Oui. Tu gagnes plus 50 points en vitalité. Je connais cette histoire. Vous savez, ma mère, Lady Karen, m'a raconté tellement d'histoires. Bon, certaines que j'aurais pas voulu entendre à mon âge, mais... Votre belle-sœur, Saria, le soleil rayonnant de Dorne. Votre belle-sœur est rivale. Ah bon. Ah. Rivale. Oui, bon, écoutez, ma foi... Ma foi, tant pis. Ah, princesse Saria. Ouais, c'est... Je lui ai... Tu vois les cicatrices sur sa tronche? Oui. C'est moi qui lui ai fait. Ah bah, bravo. Elle complotait contre moi. Il se veut que... Ce qui m'étonne, c'est qu'elle soit encore en vie. Ça veut dire quelqu'un complote contre moi, death. Et pas by snow, hein. Death. Tout court. Death. Oui, le swag. Le prince de la mode, là. Merde, non, c'est le prince de la mode. Non. Non, c'est le feu grégeois, calmez-vous. Oui. Non, mais il me semblait que t'en avais un qui aurait pu s'appeler comme ça. Toi. Oui, mais je crois qu'il est mort. Merde. Heureusement. Rendez-vous. Rendez-vous, vous allez rester... Bonne nuit, Alpha. Bonne nuit, Alpha, tout à fait. Bibliothèque. Ok. Oh, je peux pas me permettre de... OMG, je peux faire apprendre plein de langues, vite. Vite. Une faction s'est dissoute, d'accord. Toujours la même routine, hein. Une faction se crée, une faction se dissout. Je ne l'oublierai jamais, c'était tellement un bon roi. Oh, un ragoût. Non. Tu au moins. Votre intention, pleurer la perte. Séduire. Ben oui, juste à côté d'un calaf, bien sûr, séduire. Je suis même pas sur place, moi, encore. Le mec qui organise des funérailles de son père n'est pas sur place. C'est un choix, hein. Bah, en même temps, c'est lui qui l'a assassiné, alors. Quoi? Tu vois? Ouais. Écoutez, je connais mon roi, jamais il assassinerait son propre père. Je connais bien le roi aussi. Il a toujours été plutôt bizarre. Ok. Ouais, je hoche de la tête silencieusement. De toute façon, il n'y a jamais de bonnes choses à dire lors d'un enterrement. Tu peux
peux pas te dire, bon écoutez, je sais que vous êtes un peu triste, alors je vais vous raconter une blague, vous inquiétez pas, elle est mortelle. Le leader, il est très drôle. Attends, le roi Aegon, 56 en règne du coup. Oui. Putain. Attends, il y a eu le genre de tâche de... de succéder à Rhaegar. Qui était mort. Terriblement, hein. Un terrible accident. Oui. Oh non! Ma soeur et cousine là, qui s'embrouillent là, ça va, oui. Merde, sérieux, dans la famille, ça s'embrouille là. Là, une rivale de plus, allez. C'est lui qu'on va épingler. Ta mère, on va la désépingler parce qu'elle est morte, bien sûr. Hop. Alors, accordé au début. Voyons voir ce qu'on peut faire. Dirigeons. Oh, des tâches. Intéressant. Intéressant. However. Ouais. Hop. Putain, putain. Je dois rester fort. Ouais, je dois rester fort pour le roi quand même. Oui, pitié, oui. Le bureau des moments terribles. Quoi ? Pourquoi est-ce que je transférerais cette meuf ? Participer à l'offrande, bah oui, ça m'a l'air d'être une. Je me souviendrai de lui à ma façon. Bonsoir, Kenny Army. Le roi Aegon VI est décédé après 56 ans de règne. C'est le roi Daemon qui a pris sa place sur lui. Lors d'un voyage, je n'aurais malheureusement pas bouffeté. Ah oui, t'as pas bouffeté. J'ai organisé un petit... Arrivé sur des terres polluées par la maladie. Et on salue Clémy, Kenny, dans le chat. Bien le bonjour, mes seigneurs de Westeros. Eh bien, bien le bonjour à toi aussi, également. On a changé de roi, puisque le roi est mort, vive le roi, et actuellement on est en train de... Il avait écouté. Je... Ouais, il a vu Talbé. Un souvenir trop douloureux, hop, je pleure. Allez, boum. Oh. Un agent a quitté le complot, bah ça tombe bien, parce que mon... Avant on était à 85, maintenant on est à 95. Il y a des mecs qui partent, le complot devient plus efficace. J'ai l'impression que ce complot a été fait par ma boîte. Moins il y a de gens investis, mieux c'est quoi. Waouh! Oh, ils ont pas bouffé là. Ah la vache! Ah, je peux redommer le... l'objet avant? Fuck. C'est très beau. Non, franchement, beau. Franchement, on a fait un. Superbe enterrement quand même. Dans les funérailles. C'était super. Le roi, je sais plus le nom encore une fois, pour vous manquer. Le roi Aegon. Aegon VI. Aegon VIème du nom, le vif flamme, voyons, voyons. Le vif flamme. Roi des Andals, des Rhoynars et des premiers hommes. Protecteur du royaume. Ouais. 200 armes manquants. Je vais bientôt pouvoir construire Move Town. On va pas s'embêter. J'en ai des rodifications. Ouais. Ah ouais, j'ai. Revendication sur d'or, les îles de fer, les terres d'orage. Voilà, j'ai promu ta légende comme promis, très cher ami. Comment ? J'ai promu ta légende comme promis. Ouais, bah j'y ai mis fin, c'est que ça. Je pense que ça ne marche plus. Je voulais essayer, mais ça ne marche plus. C'est pas grave. C'est pas grave.
pour rendre. Je vais prendre la barre moi-même. Si je prends la barre, il y a 10% de chance que désolé, je repose en paix, mon roi, Aegon VI, que son héritage ne sera favorable pour l'avenir de Daemon, que je veux. Un dragon, il nous faut l'ébusquer, bien sûr. Non. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dû me barriquer n'importe où. Non. Non, Kevin. Non. Oh, terrible. Non. Non, pitié. Non, ça ne te passera pas comme ça, n'est-ce pas? Les fiancés peuvent se marier. C'est entre Tenya Pindaris et ouais, je pense que oui. Moi, je peux adober Magnus. J'adobe Magnus. Oh. Out of nowhere, oui. Il est adobé. Sans aucune raison. Sans aucune qualification, ivre, il devient chevalier. Et en rentrant de funérailles, il devient chevalier. Je te jure. Très bien. Non, ça t'en. Tenez, écuyez mon. Escuyez. Escuyez-le. C'est à parjure, mais escuyez-le. Benjiko Karstark. So be it. Je sais plus qui c'est, mais. Formez votre écuyer. Je vais former ce bâtard. Ah, le bief, oui, ils ont un vieux territoire de nulle part là, oui. Comme Dorne d'ailleurs. Oui. Ils ont pas moufté le conflant là, je crois. Mais alors celui que j'ai, je crois, c'est parce que j'avais gagné avec Apprentre. Accorder une audience, oui, je peux accorder une audience. Faites venir les premiers gens. Yep. What? Mon fils Shadir me demande d'annuler ses fiançailles avec la princesse Mélasse de l'Éclat. Pardon? Non. Elle n'est pas bon parti, mais elle est rigide. Non. Un accord est un accord, garçon. Mais je t'emmerde. Il n'y a aucun respect pour les sentiments des enfants là. Oh là là. Ma grâce, monseigneur, je suis d'elle à propos de lever. Petit complot d'assassin qui va partir. Il va pas moufter. Hein. Oh. Ah, putain. Comme ça, une branche cadette, c'est Targaryen. Ils ont créé. Oh putain, non! Mais t'es les monstres de compagnie pendant 10 ans! Oh non, non, y'a moyen que je fasse une grosse débilité! Oh non! Voilà. Ah. Oh non. Stal du trône, c'était lorsque ma vassale Lady Cybèle. Que t'as mis dans le Val, ça te revient à la gueule, c'est ça? En triomphalement suivi de deux serviteurs. Tiens, un loup enchaîné. Souriant fidèlement, fièrement, elle s'esclave. Monseigneur, je vous offre un cadeau digne des plus puissants souverains de ce monde. Cette magnifique bête chassée dans les collines de Rompierre est un symbole de mon dévouement à votre pouvoir inégalé, tu vois. Éducation achetée, Dylan Cadoré. Pas si une bonne gueule. Eh ben, mon bouffon va apprendre à le monter. Allez. Il y a 46% de chance que c'est faisable. Ah, oh, des pirates! Tiens, 20% de respect envers Rogo.
Il tombe sur ses fesses, tout le monde obtient 10% de respect en plus, quand même, amusé. Et sinon, 17%, 33%, 17% là, il se blesse, avec mutilé, oui. Unijambiste ou défiguré. Il y a 6% de chance où il meurt. Oh oui, il a réussi. Oh oui. 40, oh oui, 20% de... Oh oui, putain, j'en ai fait une légende, ce mec. Ce mec est venu chez moi parce que c'était un gros gros con, il est devenu une putain de légende. Ils ont créé une branche cadette dans le Val, c'est con, c'est terrible. C'est un top pas. Oui, il y a les Valgariens là, je pensais garder ça dans ma partie solo, non, je suis obligé de les faire ici. Ah, j'ai caca. Tu te maries mon enfant sinon punition, complètement d'accord, Kenny. Mais bon, écoutez, moi je sais que je dois remplir ma part du marché. Ah, ouais, du coup les pirates là, ils sont où? Ils sont dans les îles. Bah tiens. Je suis en train de monter une armée. Je pense qu'un jour, ces îles là, hein. Voilà, bref. Ouais. Ah, c'est puis c'est vraiment une île en plus. Oh, quel enfer. J'y vais aussi là. Oh bah, Saria. Oh bah, Saria est mort. Oh bah, zut alors. Quoi? Là, ma fille est pas morte. T'as qu'à voir, elle est morte, mon personnage a perdu du stress. Voilà. Je pense que je peux pas... Mon frère Bastaris peut se marier, oh. Oui, à la base, elle était mariée avec. Pour ça, nous ne sommes plus alliés, officiellement. Moi, j'ai gagné un maître. Ah bah non. Alors... J'ai gagné un maître. Meurs. Ils arrivent, ils meurent, c'est instantané. C'est... Ah, c'est ça me triggered. Le jeu est en mode difficile pour rien, du coup. Une belle effort. J'ai pas de problème à faire un festin. C'est une branche canette. Et la boîte. Ok. Ah, oh, ils sont déjà arrivés. Faut me dire, hein, si tu veux que je... Si tu veux que j'assassine les gens qui sont dans les factions contre toi, hein. Alors, écoute, ils ont l'air particulièrement... Que, ouais. Calme. Pour avoir déjà été maître des chiens, t'as un bonus de zinzin, con. Bonus de zinzin pour les assassins. Allez, ils vont pas bouffer là. Je vais pas voir la bataille. Je vois, je clique pour voir, mais je peux pas voir. Ouais. Oh c'est non normal. Oh non, j'ai. Shit. J'ai un shit. Gamin. J'ai un gamin qui est malheureusement tombé du haut d'une muraille. Ah, t'appelais Brad ? Ah, c'était pas le mien. Un nouveau grand maître, bien. Bah, il est pas la mort. Est fini, bon. Non, j'ai un maître qui est pas mort là. Bizarre. Ouais. Bah, est-ce que t'as besoin que j'assassine quelqu'un, un grand roi, parce que j'ai sinon quelqu'un à assassiner sur mon côté. Ah si, attends. Peut-être. Que je mette mon emploi du temps à jour, quoi. Attendez, bougez pas. C'est moi calculé. Mon but, c'est de bon. Servir, donc bon. C'est bon, tout va bien.
Ok, d'accord. Bon, bah, la nature reçut son cours. Hop. Oh ouais, exploser dans le feu grégeois lors d'un festin, ça va bien ça. J'ai envie de faire ça avec tous mes vassaux puis tout exploser. Trois ans, encore 3 ans avant que. Ouais, les Stargarden. Putain, oh, il y en a encore. Que Bountibourg devienne une réalité, quoi. Vous savez, les hommes ont des rêves et les dieux les réalisent. Oh. Il m'a énervé. Ça allait vite, mais il m'a énervé. Putain, vivement que les gamins payent pour des enfants, putain. J'ai besoin de recréer des alliances. Tu vois, c'est long quand même. La pandémie qui a tué genre tout le monde, mais c'est Valgarien. Nous jurons par la terreur des vallées. Alors avant c'est par la terreur de l'étranger, je trouvais ça un peu bizarre donc j'ai préféré changer. Oh non, mon maître espion est mort. Putain, ça par contre c'est pas une bonne nouvelle. Du coup il est en train de mourir et c'est une principauté a priori. D'accord. L'empaleur, elle est déjà quoi elle? Ça fait partie de la spectacle. Qu'on va se retrouver dans une guerre contre le Val dans pas longtemps. Oh non, encore une dynastie à détruire. Encore à éradiquer. J'ai réussi à obtenir. Ce n'est jamais un festin. J'ai besoin de cadets. Véritable. Famille, surtout. C'est bon. T'as encore 10 mois, mais c'est long. La personne qui hérite aura le temps de. Aura le temps de faire d'autres héritiers entre temps. Ça va être galère de traquer tous les gens à assassiner. Ah non, mais c'est qu'il y en a beaucoup, hein. Avec en plus. En plus, le seigneur de Lige, il est. Mais c'est qui? Il a qui comme enfant? Parce que Princesse. Ah oui, mais toi, c'est le premier-né, toi. Putain, ça, c'est le premier-né homme, toi, putain. C'est pas comme chez nous. C'est pas comme chez nous. Putain, c'est terrible. Je pense que je devine que son nom c'est parce qu'il est né en 12e. C'est terrible. Prince Douzeris. Oui, c'est le mec qui avait un nom chelou et que je me suis dit tiens, on va le renommer. Et bon, bah il avait 12 ans en fait. Ah, d'accord. C'est peut-être pire encore, mais. Ouais, bref. C'est genre le 12e enfant. Ah, peut-être aussi sur un malentendu, mais pas sûr. Une Eris, deux Eris, trois Eris, quatre Eris. Écoutez. Pentazeris, ça va être sympa.
Oh. Salutations. Salutations. Bonjour. J'arrêtais pendu tout à l'heure. Ah, j'y arrive. Ah, il va falloir y aller. Le roi nous invite à une chasse, on n'a pas trop le choix, on peut pas trop dire non. Ah. Bon, ce n'est qu'une chasse, hein. Je vous en voudrais pas. Non, je... Ah, ils sont bien conquis. Je sais ce qui est bon pour moi, monsieur. Ah, Milona, ensuite, j'ai perdu ma sœur. Elle est partie où? Oh putain, non. Oh non. 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 Pas comme ça. Ah, les coups. Terrible. Allez, coup. Allez, tout oui, bon. Prince d'Arien. Ah, c'est lui qui est devenu prêtre. Mais... Bah, il est blessé. Oh, bravo. Ah, bah, elle est pas bouffée. C'est le père du roi. Il y avait un gabon qui a voulu m'embrouiller, mais il a pas bouffé. Prince d'Arien, Astrocal. Mais bon. Ah oui, il est paranoïaque, en plus il a que des défauts, prince. C'est pas plus mal qu'il soit parti. Ah oui, non mais... Ouais, mais il s'est suicidé de manière rituelle, c'est ok. Hein? Non, le gars était vraiment vieux, il s'est suicidé. Rien d'extraordinaire de ce côté-là, voyez-vous. Il s'est suicidé tout seul, ou... Non, 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 il sait pas, il sait... Non, c'est fou, le personnage, il y a que ses sourcils qui blanchissent. C'est fort, ça. C'est vrai, ouais, c'est vrai en plus. Oui, bah oui. Il va falloir que je fasse peut-être des petites modifications pour qu'il y ait quelque chose. Et alors, là, c'est juste. Bon, là pour l'instant, je ne peux pas rien dire. Qu'on me donne l'envie. Envie d'avoir envie. Faisons la partie guerre. Ah oh putain, mais mon clown est capable de le... Mon clown est capable de soigner également. C'est le meilleur clown du monde. Et quel enjeu. Thank you.
mieux. Ah zut, je peux entraîner. Esquille, esponge. Oh. Oh. Bon, t'es déjà entraîné au maniement de l'épée. Faut que tu deviennes un peu meilleur à autre chose. Ça va te faire venir bon en stratégie. C'est bien. Tu es pas à la chasse, le connard du Val, là. Waouh, ça y est, ce n'est plus le frère. Vraiment de la famille du roi, maintenant c'est devenu le connard du Val. Attention tout de même, attention. Ah mais Pentos, ils ont agrandi leur territoire. Terrible. Le prince Viserys du Val. Putain, il mord jeune, cet abruti. Il mord comment lui? Dans les circonstances mystérieuses. Ouh l'assassinat. Oh l'assassinat. Mais non, c'est juste des mystérieux. Parle de qui là? De ton... du frère de Rhaegar. Celui à qui tu as donné le bal. Hors de ma vue, il monte bouseux. Waouh. Mais elle est plus dangereuse. Tiens. Ah, ah. Pas moufeté, ouais. Il a pas beaucoup de putain. Non, je peux pas demander. Dommage. Ah, 13% de mourir. Non. Je suis joueur, mais des limites. C'est fou parce que ce jeu, vraiment. Même si t'as que 13% de mourir, tu dis non. Ouais, non, là non, là vraiment non. Ah non, mais je juge pas, je juge pas, t'inquiète. Ça, ça arrive. Est-ce que je peux exécuter? Ah, oh, bah oui! Allez, je vais sacrifier, les dieux ont apprécié. Pourquoi il me parle d'artefacts de la cour alors que j'en ai pas de nouveau. Lord Shadir. C'est toi qui me vois. Non, je vais décider. Pouvez-vous le soigner, Rogo, une nouvelle fois? Putain, il a réussi. Mon bouffon a réussi à soigner un gars deux fois. C'est excellent. Le meilleur bouffon du monde. Le type. Le type, il chevauche des loups sauvages et il est capable de soigner des gens. Combien de bouffons vous avez qui sont capables de faire ça, vous? Parce que franchement, dans le Nord, je sais pas de quoi ils sont faits, ces gens-là. Ils ont l'air d'être bien allumés pour être capables de faire ce genre de prouesse. C'est waouh!
du roi, c'est pareil, mec. Ça, la main du roi, qu'est-ce qu'il se passe? Non, il a une tête de fou, quoi. Le mec, il se coupe pas les ongles et tout. Il a arraché les cheveux. Il se porte très bien, il se porte très bien. Ouais. Pas très confiance. Conseiller à Perry. De mort naturelle, j'espère. Pardon. Je ne veux pas faire de tournée, ok. Laissez-moi en paix, en fait. Oh, mais... Il y a des maladies partout. Ah, non, t'es... Si je prenais une chez moi, on est genre. Les grandes visites. C'est vrai que je suis. Par contre, c'est grave. De vivre, je pense que j'ai... me rappeler d'en mettre certains sur la liste. Sur la liste des gens suspects qui doivent avoir un accident miraculeux. Oh mon dieu, il est tombé d'un parking. Non. Ça marche pas ici. Non. Il s'est suicidé de... Il s'est suicidé de 3 balles dans la tête. Oh oui. Quel plaisir dans des événements avec un maître. Oh là là, je revis. Pourquoi est-ce que je voudrais modifier le contrat vassalique avec mes enfants, quoi? Je suis pas un gros rat, je vais pas dire... vas-y, donne-moi toute ta thune, connard. Je ne suis pas un rat, type. Ah, je sais, je suis obligé de le dire comme ça, mais non, je suis pas un rat, en fait. J'apprécie ma famille, voyez-vous. Bon, il se trouve que certains membres de ma famille ont une tendance à voler du haut de la plus tour de Winterfell. C'est quand même étrange. Et ça, c'est quand ils ont vraiment oublié les valeurs familiales. Hein. Moi, je suis un homme de valeurs familiales. Tu es un homme ? Sûr. Ah bah, t'es... C'est-à-dire le séduisant du Nord. C'est ce qu'il fait. Je ne veux pas organiser un grand tournoi, je n'ai pas d'argent pour ça. Putain, mais. C'est difficile quand même, rappeler à tous les jours, les gens sont en mode. Ah, mais t'es vraiment sûr? T'es vraiment sûr que tu. 23 mois restants, putain, j'ai tellement hâte d'ouvrir Bountyburg. On peut pas savoir. Pour moi, c'est un peu la conséquence. Vous voyez, ma mère, Lady Karen, elle a fait l'église de Lady Karen, elle a fait le bourg de Lady Karen, et puis tout en haut, elle a fait Hiversbois Karen Hold, voyez-vous. Donc, elle a beaucoup construit en son nom, qu'une tradition que de. Et puis, je vais pas faire Shadir Town ou Shadirville, donc Bountybourg, ça m'a l'air mieux quand même. C'est... Et puis après on aura Mouftarn qui est aussi en construction actuellement. Putain. C'est vraiment le monde ce truc. Ça me termine. Est-ce que mon travail scolaire avance là ?
Et travaux. Vous savez, vous me connaissez, hein. J'essaie d'influencer des gens, rien de plus, rien de moins. J'essaie de les influencer avec une dague pour qu'ils sautent d'eux-mêmes. Non, devenu votre chancelier ne peut être révoqué pendant 25 ans. Depuis quand ce que ce connard... je crois que... Il s'est dit qu'il pouvait être... Qu'il pouvait être chancelier comme ça. Mais c'est Giorgio. J'ai quand même appelé un fils Giorgio. Oh merde. What do you want? A diad? Okay. Okay. Here's the diad that you ask me. Oh fuck. Parfait. Le fils qui est heureux de... Je veux pas marier la meilleure fille de Dorne parce que... Bah. J'aime le froid et je suis dépressif. Casse-toi, connard. Ah, c'est lui. C'est lui, ouais. Ouais, si tu t'en débarrasses après qu'il ait fait trois gamins, je t'en voudrais pas. Comment est-ce qu'il ose comme ça salir le nom de ma famille? C'est noté. Il dit ça, que... Moi, c'est pas comme ça que je l'ai élevé, hein. T'as dit quoi? Ouais, je sais pas. Fais gaffe. Rhaegar, il a voulu tuer Lya. C'est faux, putain. La faible, stérile et infirme gonzesse. Mais c'est fini, là, oui. Je dis les termes, monsieur, je dis les termes. C'est peut-être le roi, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Connerie. La merde. Le prince Albéric de Dorne, il aura fait du bon taf, hein. Oui. Bah, il se sera pas en Dorne mis sur ses lauriers, quoi. Tant de choses. Quelle aura apporté du pomme. Mon neveu est devenu déviant. Mais attends, mon neveu est surtout pas marié, c'est surtout ça, ouais. Je sais pas si je dois remercier ou me sentir insulté. Je lui dis cadeau, puis on m'a suivi. T'es où, là? Oh, j'ai accepté. Redonnez-les-moi. Ah bah non, donner ses données, reprendre ses volets. Comment ça, reprendre ses volets? Ah bah qu'il dit, hein. Ok. En plus, c'est... ça dure 35 ans. Il m'a vraiment donné le truc qui était dans son tiroir depuis 5 ans, quoi.
La vérité, je l'ai offert à Magnus après les funérailles. C'est Visiblement, sûr. soit il a jamais accepté, soit il a refusé. C'était sûr, putain. C'est moins pire ce que je voulais t'offrir de base, donc ça va. À la place, je voulais t'offrir le sida. Je suis pas Karen. Oh putain! Waouh! Waouh! Karen, elle se retrouve dans ce fond. Terrible. Elle peut, elle peut. Pourtant, dit Karen. Ça va pas l'air à déranger de se retourner. Non. Bon, a priori, elle est super bonne sur ça, je veux dire. Objet, respecter un peu la Dame du Nord. Tout ce qu'elle a fait était strictement et purement religieux. Pardon. Ouais, ouais. C'est notre foi qui veut qu'on fasse des enfants. Faut bien les faire d'une manière ou d'une autre. Non, il n'y a pas de bâtard en plus de notre foi. L'image que t'as vu, c'est toujours quand j'étais en Ariane. Oui, bah oui, bah oui. Écoutez. Non, c'est juste. Écoutez. On se rend compte.